Yann Frachon, d'être avec nous, d'avoir choisi CNews pour parler ce matin. Le procès va débuter aujourd'hui. Une question toute simple et très large. Qu'est-ce que vous en attendez de ce procès ? Écoutez, j'en attends pour les victimes la fin d'un très long déni de responsabilité et encore plus de culpabilité du laboratoire Servier, parce qu'il est intolérable depuis ces 10 dernières années à des victimes qui ont découvert qu'elles avaient été sciemment empoisonnées. Donc ça, c'est l'urgence absolue pour qu'elles puissent continuer à survivre sans se rouler par terre de désespoir et de rage. Mais derrière, j'en attends également la vérité, car les faits du Mediator sont encore contestés, notamment dans des milieux extrêmement proches de Servier, dans le monde médical. Et puis j'en attends aussi la compréhension de ce qui a sidéré tous les Français. Comment les autorités de santé ont-elles pu laisser sur le marché un médicament dont on savait qu'il était un poison 12 ans au moins avant son retrait du marché? C'est absolument inouï, et on a besoin de ces explications, et 6 mois ne seront pas trop, je pense. Docteur Frachon, quel rôle vous allez jouer lors de ce procès? Vous allez assister au débat pendant 6 mois? Oui, je me suis organisée pour assister à la majorité du procès, parce que moi aussi je cherche à comprendre et je voudrais entendre ce que les uns et les autres ont à dire. Et puis je suis citée comme témoin à la fois par le parquet et à la fois par Servier. Donc manifestement le débat contradictoire s'ouvre enfin devant des juges dans l'enceinte d'un tribunal. Le patron des laboratoires Servier dit que l'instruction, vous avez certainement lu le JDD, le journal du dimanche hier, que l'instruction a été menée à charge. Quelle est votre opinion? Qu'est-ce que vous lui répondez? En fait, la posture des laboratoires Servier est invariable. Tout est à charge. C'est la théorie du complot. Moi, je suis à l'origine, manifestement, d'une vaste conspiration qui englobe à peu près tout le monde, politiques, médias, experts, juges. C'est juste insensé et il est temps d'y mettre fin. C'est-à-dire que raconter que tout est faux et que tout le monde en veut au laboratoire Servier, c'est ce que dit depuis le départ son fondateur Jacques Servier, qui avait une structure paranoïaque qui a imprégné la totalité de la culture de cette entreprise. Vous avez des mots forts, vous traitez le docteur Servier qui est décédé aujourd'hui de paranoïaque, c'est ça? Il avait une personnalité qui était teintée, en effet, de marques de paranoïa extrêmement impressionnant. Et je pense qu'il était dangereux de laisser cet homme-là depuis très longtemps à la tête de cette entreprise, mais que l'argent a beaucoup fait, l'influence, y compris jusque dans les sphères politiques, a beaucoup fait pour que, malgré en fait des déclarations et des agissements que tout le monde savait plus que limite, ce laboratoire, emmené par son fondateur, ait pu aller au bout de cette folie qui a constitué à garder sur le marché, envers et contre tout, une amphétamine mortelle. Merci, docteur Yann Frachon, d'avoir été en duplex avec nous ce matin.